Il est par ailleurs des catégories de personnes qui souffrent plus que leur part normale d'épreuves et qui ont souffert encore davantage à cause des délais prolongés que l'État a mis à soulager leurs problèmes. Et c'est pourquoi l'Assemblée nationale va être appelée le plus tôt possible à étudier une loi de la protection de la jeunesse. Cette politique en ligne droite, elle est centrée sur les besoins de la famille de chez nous. Pensez-y! Moi, je me suis retrouvé en institution et on nous parquait dans des crèches. De sorte qu'à 12 ans, je lavais des vieillards, je lavais des lits, je lavais des planchers, des dortoirs. C'était ça ma job. La société ne veut pas comprendre, la justice ne veut pas comprendre, la justice ne veut pas nous aider, il n'y a personne qui veut nous aider. En 92, j'avais 12 ans, j'ai fait 27 places en famille d'accueil et en centre d'accueil. Merci, gouvernement de mon cul. Même pas capable de faire des astuces de loi en conséquence. Quand c'est la DPJ qui te remet chez un père pédophile, là, c'est pas bien ben intelligent. Là. Nous sommes 1 million d'enfants et d'adolescents au Québec. Nous n'avons pas le droit de vote, mais les politiciens se servent de nous pour faire de belles images. Vous êtes des parents responsables? Bravo. Mais juste l'an dernier, il y a eu 25 000 signalements retenus. De ce nombre, 14 000 enfants négligés, 3 000 enfants battus, 2 000 enfants abusés sexuellement. Sans compter ceux qui souffrent en silence. La maltraitance fait beaucoup plus de victimes que le cancer chez les enfants. Elle fait beaucoup plus de victimes que les malformations cardiaques chez les enfants. Monter les tons des enfants, là, on parle pas des enfants victimes d'un mauvais traitement. 40% des bébés qui meurent accidentellement au Québec décèdent à cause de la violence de leurs parents. C'est le mal dans le monde avec un M majuscule que l'enfance en détresse, que l'enfance dans sa vulnérabilité, que l'enfance battue, que l'enfance non soignée. C'est le vrai visage de la barbarie, c'est ça? L'enfant avait été mis dans le garde-robe pendant 2 ans. Là, on parle pas dans 1950, puis au Kosovo, là. On parle d'ici, puis c'est un enfant, là, maintenant que je parle. Il a fait l'amour avec moi. Il m'a dit « je t'aime ». Il m'a dit « je t'aime ». Il m'a lissé la minoune. Je voulais faire dodo, mais il m'a réveillée. Il a mis son pénis dans ma bouche. Il était couché sur moi, à genoux. On a vu des petits-enfants qui avaient du sperme dans la gorge à 3 mois parce que l'abuseur profitait de la capacité de succion de ce bébé-là. Un bâton ou une barre d'affaires, une pelle ou n'importe quoi qui traîne, je vais manger des coups avec ça, puis j'ai pas le droit de broncher, pas un son. Mon père, lui, il abusait de nous autres quand il revenait de travailler. Ma mère, elle, puis son frère, le sport préféré, c'était de revirer la basinette à l'envers pendant que nous autres, on était en dessous. Pendant ce temps-là, ma mère, elle sortait la nuit. À chaque fois qu'il en disputait un, c'était à sa droite, parce qu'il est droitier. Là, il pognait les cheveux, ça, puis il me la pétait dans l'assiette. Ici, là, je suis fendu, ici. Une place, ça, tu sais. Ça, sur le côté, des plaies, j'en ai partout. Son père l'attachait au cou, décrochait le chien et attachait son fils au cou comme un chien, puis le mettait après la cabane du chien. Cet enfant-là avait été martyrisé. Un moment donné, je suis arrivée à l'école, j'avais des marques dans le cou. Là, puis ça saignait abondamment. Mon père, là, il était assis dans son sofa, puis il se badigeonnait les parties, là, puis il fallait du touchage, puis de mettre sa bouche parties intimes. On voit pas d'avenir. On pense qu'on est vraiment seul à vivre ça. Alors que qu'il y en a un paquet, c'est fou. Thank you.
Julien est un pédophile. Pendant 2 ans, il a agressé sexuellement 5 petits garçons âgés entre 5 et 10 ans, dont son propre fils. En plus des abus, Julien participait à des forums de pédophiles sur Internet. Il a pris des photos de ses victimes pour les distribuer à ses amis afin d'alimenter leurs fantasmes. Il est aujourd'hui détenu à la prison de la Macasa pour suivre une thérapie. Julien a écopé d'une peine de 5 ans de prison. J'aimais ça les regarder, être proche des enfants. J'ai fait du bénévolat avec des jeunes, du soccer, animation des centres de loisirs ou du scoutisme. J'arrive les événements d'agression, là. J'y pensais pas toujours, c'était pas tout le temps, mais ça a augmenté de plus en plus, là, au moment donné. Jusqu'à temps que là, quand Internet est arrivé, là, ça a fait boum. Quand tu rencontres un pédophile sur Internet, tu dis, lui, il dit qu'il avait eu une relation avec un jeune de 12 ans, puis qu'il avait fait ci et ça. Tu te dis, ouais, moi, je suis capable de le faire moi aussi, peut-être. J'avais mon fils qui venait avec moi à la maison. Ça a commencé tranquillement comme ça. J'ai pris des photos de lui dans le bain, après le bain. Il se voyait tout de suite sur l'appareil photo, il trouvait ça drôle. J'en ai pris plus, puis avant ça, c'est couche-toi, ils vont prendre des photos sur le ventre, sur le dos. Puis ça commence comme ça. Là, t'envoies ça sur Internet, tu dis, ah, mais là, on voit pas beaucoup son pénis sur la photo, prends-en une plus proche, puis là, l'autre, il demande ça, moi, je le faisais. Commencez par le bain, ça touche ma masturbation. Là. Je venir en érection, prendre des photos de ça. Quand il y a un ami qui venait à la maison, ben, il faut y prendre leur bain, là, je prends des photos, les deux ensemble. Ça a toujours été à peu près toujours la même chose. Attouchement, caresse, fellation. À l'occasion, mais ça, pas souvent. Lui, il aimait pas ça. Les fellations, il aimait pas ça. Ça fait qu'après 2-3 fois, j'ai arrêté. Alors, je l'ai jamais forcé à continuer. Ça a caressé, ça le dérangeait pas. Il me disait que ça le dérangeait pas. On va avoir l'impression d'amener le consentement de l'enfant. Une notion très biaisée, mais d'avoir cette impression-là que l'enfant est d'accord, qu'il aime ça, que ça peut être, que c'est pas désagréable, puis qu'il recherche ça. Puis il va rechercher ça, puis ça va comme le renforcer, puis ça va être important pour lui. Lui, il avait pas vu ça mal, là, supposément. C'était pas mal. C'est parce qu'il nous aimait, puis je comprends pas, là, mais moi, j'étais petite, mais par après, j'étais consciente. Papa voulait jouer à la chatouille. Il me chatouillait avec son pénis. Il brasse partout. Il m'a dit qu'il me donnerait 25 sous. C'est très important le contrôle de l'autre chez quelqu'un qui est capable d'abuser de l'autre. Si vous êtes capable d'être assez intrusif pour rentrer dans une petite fille, vous êtes capable, généralement, si vous avez les compétences et les connaissances pour, de contrôler n'importe qui. Ils s'en rendaient compte eux-mêmes que c'était pas bien. Ils disaient, c'est vrai, si on en parle, papa va aller en prison. Fait qu'ils savaient que c'était pas bien l'enfant, mais ils savaient aussi qu'ils devaient pas parler à cause de ça. Mais c'était pas des menaces, là, parlant pas. Des fois, c'est mon fils qui disait à ses amis de pas en parler. Parce que lui, il avait peur aussi de me perdre, je pense. C'est un des drames de l'abus, c'est qu'un enfant tout jeune se ramasse à porter un fardeau comme ça. C'est sur ses épaules que se maintient le statu quo dans la famille. C'est sur ses épaules que se maintient le relatif bonheur de maman. Parce que si tu parles, c'est sûr qu'elle ne trouvera pas ça drôle. Puis ça va être le drame, puis ça va être le drame pour les frères, ça va être le drame pour les sœurs, ça va. Puis ils vont tous se retourner, mais si tu ne l'avais pas dit. La peur tout le temps qui est là, de se sentir coupable de ça, là. Moi, j'ai réalisé que j'étais pas coupable de ça quand les policiers m'ont dit « C'est pas toi qui vas briser des vies, c'est lui qui a brisé des vies. » On le sait, mais c'est plus fort que nous autres. On n'est pas capable d'arrêter. Un peu comme je me sentirais alcoolique devant une bouteille, là, puis que le verre est là, c'est plus fort que toi, tu vas prendre de la bouteille, tu vas en boire. Il faut que je me surveille toute ma vie. L'idée que t'enlèves les testicules et tous les problèmes sont résolus, que les gens peuvent plus avoir d'érection, c'est pas exact. L'individu qui se fait castrer puis qui avait une attirance prépondérante pour les petits garçons ou pour les petites filles, une fois qu'il est castré, il est encore intéressé par les petits gars, par les petites filles. Ça, dans le mieux, ça ne connecte pas quelque chose de sexuel. S'il y a un petit peu de sexualité, ce ne sera pas vers madame de 45 ans qui va être attirée. C'est la même chose. Puis c'est une des limites. Est-ce que ça fait que c'est pas bon du tout? Pas encore. Mais c'est pas miracle.
Ouais, je pense que c'est d'arrêter de dire aux enfants de se méfier des inconnus puis de se méfier des personnes connues. Ça peut être n'importe qui, le beau-frère, le voisin, l'ami. Alors, il n'y a pas vraiment de truc. Je pense que c'est d'être alerte, de garder les enfants proches. C'est sûr qu'il faut toujours avoir un doute sur ces individus-là. Ils sont formidables dans le contrôle de la pensée des autres. C'est des gens qui peuvent monter, on en voit, c'est des postes de pouvoir parfois aussi. C'est des gens qui sont fort importants et qui se tiennent très bien à d'autres niveaux de leur personnalité. Quand ça arrivait dans mon environnement, c'était Guy arrive, là, c'était Guy Cloutier, tu sais, c'est toujours impressionnant de voir quelqu'un connu. Là, on se ramène à 11 ans. Quand arrive la première agression, toi, tu te sens comment quand tu poses les gestes la première fois dans une auto? C'est un peu comme tout arrête de tourner, là, autour, parce qu'il y avait une émission de radio. Et je me disais dans ma tête, il doit oublier que j'étais à côté de lui, là. Il y avait une émission de radio qui parlait de sexualité. Puis je me suis dit, il doit pas penser, là, que je suis là. À un moment donné, j'ai dit, est-ce qu'on pourrait changer de poste? Il a dit, mais non, pourquoi? Là, il a dit, t'as-tu déjà vu ça, un pénis, tout ça, là? J'ai figé, j'étais surprise, j'étais... Puis je le regardais, puis je disais, non, j'osais pas répondre, j'étais gênée de répondre, mais en même temps, je sentais qu'il fallait que je réponde, je savais plus où me placer, c'était une situation inconnue, puis je comprenais pas qu'est-ce qui arrivait là. Et là, ben, j'ai mis ma main comme il me l'a demandé, puis... Et là, c'est là que le sentiment de culpabilité est arrivé. Il dit, qu'est-ce que t'as fait là? Comment ça, tu connais ça? Faut jamais que tu parles de ça à personne. Passe-moi un Kleenex en arrière. Là, vraiment, là, c'était de ma faute. J'avais posé un geste très grave. Il fallait pas que je le dise. Là, on s'en allait dans son condominium où sa femme nous attendait. Je savais pas comment j'allais faire. Je savais pas comment je suis arrivée là, dans son condo. Je suis allée me coucher. Puis c'était... Il y avait le contrôle sur tout, là. J'ai jamais reçu un chèque chez nous, moi. J'ai travaillé beaucoup, là. Il y a bien des gars qui m'ont demandé de te demander... Si t'étais en amour de ce temps-ci, ben, si t'avais un homme dans ta vie, en fait. Ça, le temps va venir, là. Moi, je tu y penses sérieusement. On se trouve dans la pièce où il a fait ses aveux, que les aveux ont été enregistrés. Oui, disons que les policiers étaient ici, dans cette pièce-là, mais au sous-sol. Tu te sens comment à ce moment-là? J'ai peur. J'ai peur pour ma vie, j'ai peur... Mais en même temps, je me sens en sécurité parce que les policiers sont là. Les policiers se demandaient, ça va-tu aller? Mais j'ai dit, regardez, je suis nerveuse. J'ai toujours été nerveuse en sa présence. Ce sera pas nouveau pour lui de me voir stressée. Ça a duré combien de temps, cette discussion-là? 2 heures.
J'avais très peur que je parle de lui, que je nomme son nom, que j'étais terrorisée par ça. Il est parti comme jamais je l'avais vu auparavant. Il était pas au-dessus de ses affaires, là. Et moi, ben, je venais d'avoir ma victoire, là. Je venais de prouver que j'étais pas une folle. Je venais de prouver aux autorités que j'étais pas une menteuse. Que tout ce que je leur avais dit était vrai. Donc, j'ai prouvé mon intégrité. Je suis allée rechercher ça. Avouez qu'il a l'air d'un agresseur. Le regard, les tatouages, l'allure. Eh bien, vous êtes dans l'erreur. Gaétan est une victime. Voici son agresseur, son père, Gilles Lacombe. Un homme de très bonne réputation. Il a écopé de 15 ans de prison puisqu'il a abusé sexuellement et physiquement de tous ses enfants. Il a commencé à les martyriser dès leurs premières années de vie. C'était invivable, c'était l'enfer à tous les jours. C'était la peur constante, la peur que quand il rentrait dans la maison, la peur quand il rentrait dans ma chambre ou dans la chambre de bain ou qu'il m'envoyait travailler dans le cabanon ou autour de la maison. C'était la peur constante, tout le temps qui arrive. Ça a été comme ça toute ma jeunesse. J'aurais aimé avoir une enfance comme tout le monde, comme les jeunes ont en temps normal. Pas ce que nous autres, on a vécu, c'est sûr. C'est perdu, c'est... Ça se rattrape pas. C'est perdu. Quand mon père arrivait à travailler, là, ma mère, elle disait, bon, ben, lui a fait ça, lui a fait ça, lui a fait ça, elle a fait ça, puis là, il me faisait mettre tout en ligne avec les culottes à terre. Puis là, il enlevait sa grosse ceinture de cuir, puis il nous faisait mettre la tête entre ses deux jambes, puis il nous battait tant ou si longtemps qu'on tombait presque pas à terre. C'est moindrement qu'il y en avait un qui parlait, puis elle avait un oncle, une tante, pour juste le dire, pour dénoncer ça. Ça revenait toujours. Puis quand ça revenait, nous autres, on perdait confiance envers les adultes. Puis du fait qu'on était séquestrés jusqu'à 17 ans, 18 ans à l'âge de partir, bien, il est sûr qu'après, on n'avait plus le goût d'en parler parce que, un, l'histoire paraissait invraisemblable. Les gens avaient de la misère à croire ça. C'est mon père qui a bâti cette maison-là. Puis ici, il y a eu lieu énormément de sévices. À un moment donné, on avait un petit chien auquel on s'était attaché, tous les enfants. Puis quand que lui voyait qu'on s'attachait à quelque chose, à un bien, il le détruisait. Fait que ce chien-là, il l'a pris par les deux pattes d'en arrière. En arrière, il y avait une galerie avec un poteau de galerie, puis il a tué le chien en y frappant la tête sur le poteau. Puis il l'a tué devant nous autres. Ça, c'était ce genre de torture mentale qu'il nous imposait là, pour nous mettre à sa botte puis qu'on soit docile. C'est ici, hein, son frère? Oui. Ouais. Ici, si vous voyez en arrière de la maison complètement, il y a un gros, gros arbre. Si vous voyez celui qui est coupé dans le milieu de la cour, là, c'est après cet arbre-là que mon père m'attachait avec une chaîne. Moi, je me souviens que les mononcles et ma tante étaient venus voir. Ça, je me souviens très bien comme c'était hier, parce qu'il avait pris le téléphone, puis il les appelait, puis il disait « Venez voir le beau chien que je me suis acheté ». Mais le beau chien, c'était mon frère qui était attaché en arrière. Puis ils sont venus, puis ils ont tout regardé, puis ils ont tout trouvé ça bien, bien, bien drôle. Pendant que mon frère, il était assis, écrasé, à moitié abattu, avec des bleus sur le corps. Dans le temps, là, il mettait la chaloupe dans cette petite rivière-là. Puis là, il nous emmenait dans l'île là-bas, là. Les culottes à terre, puis là, il sortait le savon, puis il nous lavait avec l'eau du fleuve, là. Puis là, il nous savonnait bien comme il faut, puis après ça, il nous caressait ou bien il nous suçait. C'était son sport favori, ça. Juste dans l'île là-bas, là, l'autre bord de cette île-là. Là. Enfer, hein? C'était clair, si mon père pognait pas du temps de quoi qui était pour nous satisfaire, là, c'est lui qui... C'est moi qui étais pour le coucher. C'était un choix. C'était lui. C'était une lutte à finir. Cette fois-là, c'était une lutte à finir. C'est à lui ou c'est à moi. Puis moi, je m'en foutais de faire du temps pour lui. Je m'en foutais de ça parce que où est-ce qu'on était rendu, j'avais plus rien à perdre. Plus rien, rien, rien à perdre. Carole et Philippe ont été violemment agressés par leur beau-père. Leur mère est même devenue complice des orgies.
7 ans de prison pour le beau-père, 5 ans pour la mère. On est resté là 11 ans. Ça fait bizarre, ça fait pas mal de vieux souvenirs qu'on essaie d'oublier. C'est sûr que ça fait mal en même temps et tout, un peu. Les chats, ils sont à manger ta volée? Ouais. Ben, il y a une journée, mon frère, il l'a pas mangé, qu'est-ce qu'elle avait fait parce que c'était pas mangeable. Puis elle l'a poussé à terre avec la chaise. Oh, OK. Les trucs. C'est tous nos jouets. Toutes nos affaires sont là. C'est pas là. Où je me suis fait le plus abuser, c'est dans ma chambre. Puis ma mère faisait semblant de dormir sur le divan. Elle disait qu'elle dormait, mais je suis sûr qu'elle dormait même pas. Puis après ça, ça commence avec nos amis. Ma piscine. Après ça, ça a commencé au strip poker. Lui, il nous faisait boire du vin. Puis il nous faisait prendre de la drogue. C'était tout le temps comme ça. Et qu'on était sous, puis je l'ai. Je pense que la seule place qui m'a pas abusé dans ce cabane-là, c'est sur le balcon. Il me l'a fait partout. Après ça, ça a été dans le camping aussi. Et à ce moment-là, ma mère participait. J'aurais aimé ça comprendre. Qu'est-ce qu'on avait fait de mal pour qu'il nous fasse ça? Lui, il était déchiré du rectum, puis moi, c'est. Moi, j'ai été déchiré du vagin, là. Moi, il fait l'amour aujourd'hui, j'ai beaucoup de misère. Fait qu'il se fasse faire comme qu'il nous a fait. Puis elle avait. Mais chouette qu'il se fasse faire la même putain d'affaire, là. Qui sait c'est quoi, là? Fait qu'il a osé faire ça au plus jeune. Ça, qu'il faudrait jamais je le voie. Que je le croise jamais. Parce que sinon, c'est jeu, il va se ramasser sur pied star. Qu'il le fasse, qu'il m'a l'air faire, tu es capable de le prendre. Fait qu'il a touché aux autres, là, non. Ça, c'est un pardon qu'il n'aura jamais. Puis qu'il va crever, le crève, ça, je peux jurer ce matin. S'il crève pas dans le nez, il va crever de mes propres mains, ça, je peux jurer. Mes frères, mes soeurs, pour moi, c'est mes perles. Puis il a détruit mes petites perles à moi. Ça, là, pas capable. Mais il va le regretter. T'as juré qu'il va le regretter. Si je l'ai pas, il va vivre le calvaire, je te jure. Il va savoir c'est quoi, lui. Ça fait écrire une volée d'aplomb. Il va savoir c'est quoi, je te jure. Que je le vois jamais. Patrick a été battu par son père de la naissance jusqu'à l'âge de 12 ans. Il est aussi la victime du plus important dérapage de la DPJ. Il avait fait l'objet de 16 signalements. Il avait été vu par une cinquantaine de professionnels, des médecins et des travailleurs sociaux, avant que la DPJ se décide à mettre un terme à son calvaire. À une époque, il y avait 7 enfants dans la maison du bourreau de Beaumont. Son père a été condamné à 22 ans de prison, l'équivalent d'une condamnation pour meurtre. La justice, il va falloir qu'elle se fasse à l'intérieur. Je dis pas qu'il faut qu'il fasse souffrir, non. Mais il faut qu'il disparaisse, c'est tout. Quand on touche à des enfants, tu devrais prendre ça tout de suite. C'est pas assez. C'est quoi? C'est épouvantable. C'était des enfants qui étaient complètement... qui étaient tristes. Un, entre autres, avec un œil au bord noir, maigre. Quant à l'autre, ben, c'est le plus vieux des deux. Lui, il avait l'air d'un petit martyr. Dans son visage, c'était la tristesse totale. Si je fais un petit son où je dis ailleurs, où je crie, genre, mais il continue jusqu'à ce que je sois meilleur. Okay. Je suis obligé de mettre à l'heure. Je mangeais des volets ou ben, des coups de marteau autour des pieds. Ou des, genre. Souvent, en plus autour des pieds, justement, parce que ça laissait pas de marque. Là, parce qu'après un bout, là, il y avait trop de plaintes qui me frappaient aux places, que ça paraissait pas. Genre. Il tentait de nous expliquer comment son père le battait en dessous des pieds avec une barre de fer. Donc, il avait pris mon partenaire, l'avait couché à pleurant. Il lui avait relevé les jambes comme pour faire un L de même. Et il avait pris un bâton. Il s'était mis à frapper sur les pieds de mon partenaire. C'était... avec une violence pour un enfant de 7 ans, là, c'était... Pfff. On était surpris de ça. Une agressivité dans le visage. Puis il frappait, puis il frappait, puis il frappait pour lui montrer comment son père faisait. Des fois, ça pouvait durer. Dans le fond, toute la journée, des fois, ça n'arrêtait jamais. Là. Ou surtout, il y a repassé à côté de moi. Parce que, genre, si je faisais pas du ménage, je faisais le piquette. Deux mains dans le dos, puis face à un mur. Fait qu'il passait, il me crissait un coup de poing, un coup de pied. Ouais.
Cette journée-là, on a pris 27 pages de déclaration. Ça allait bien. Il racontait ça et il était libéré de tout raconter ça. Mais le moment où ça a été peut-être plus dur pour lui, c'est lorsqu'il a raconté l'épisode où son père avait uriné dessus. Il m'a pissé dessus quoi, partout, là, dans la face, partout. Puis il m'a dit, t'es mon chien, c'est-tu garde de tu arrêtes de pisser aux lettres, là. Fait qu'après ça, il m'a obligé à passer toute la journée la face sur le rond d'urine, genre. Vraiment la face comme ça, à plat dedans. Fait que j'avais même pas le droit de me relever pour prendre de l'air. Je fais passer des fois 5-6 heures la fin d'année, je me levais, j'avais mal à la tête. J'étais étourdi. Le jeune a un chien, il y a un chien à la famille, et l'individu décide que le chien, il va le tuer. Fait qu'il est allé sur une branche d'arbre, il a emmené un marteau. Il l'a pendu après l'arbre, mais là, le chien, il voulait pas mourir. Et pendant que le petit gars tient la corde dans l'arbre, son père est en bas, en train de donner des coups de marteau sur le chien pour en finir avec le chien. J'ai pas le droit de pleurer. J'avais pas le droit, fait que je pleurais pas. Si je pleurais, c'était pire encore, fait que je pleurais pas, c'est tout. Moi, je suis pas un gars qui pleure encore, là, puis je pleurerai jamais. C'était régulier que ces enfants-là, entre autres le plus vieux, mangeaient des volets. Parce qu'il y avait volé de quoi dans le frigidaire? Parce que prendre de quoi dans le frigidaire, chez eux, ça s'appelait voler de la nourriture. Je me lève, genre, je vais à l'école, sans manger. Le midi, je dîne pas plus. Puis le soir, ben, je rentre, je mange pas plus. Là. Des fois, je peux manger donc, une sandwich au bord de pinot en 3-4 jours. Là. Pour boire, là, des fois, quand je buvais dans la cuvette de toilette. Là. Genre, je me cachais pour boire là. Genre. Fait que, ou ben, je mangeais du dentifrice en cachet. Là. Au moment donné, genre, on venait juste d'emménager, puis ça faisait un bon bout que j'avais pas mangé, puis dans mon garde-robe, j'ai trouvé une boîte, il y avait de la mélasse puis du vinaigre. Fait que je buvais du vinaigre, puis je mangeais de la mélasse. C'était pas bon, genre, mais tu sais. Quand je suis rentré en centre d'accueil, j'avais 13 ans. Puis sur le dossier, là, quand ils ont fait l'examen de moi, là, ils ont dit que j'avais le poids d'un gars de 6 ans, à 13 ans. Ce que j'ai vu, c'est que souvent, les gens fermaient le dossier parce qu'il n'y avait pas de preuves. Ou ils croyaient que c'était la mère qui était violente ou puis que le père, il contrôlait la situation. Ils croyaient ça. Comment ils peuvent faire ça, je ne sais pas, là, mais... C'est une personne, d'abord, que je vois régulièrement à l'église. C'est une personne qui s'est offerte pour être bénévole, pour tondre le gazon, ben, des petits travaux manuels. Puis c'est une personne qui me semblait même des fois inoffensive, même vulnérable à certains aspects. Alors ça m'a surpris beaucoup. Dans le village, tout le monde se pose la question comment une histoire aussi sordide a été gardée sous silence et si longtemps. À quelques reprises, je me suis senti en confiance avec certaines personnes. Ces personnes-là, genre, ils ont eu le moyen de me faire parler, puis j'ai parlé, mais regarde, ces trois, quatre fois-là, je me rappelle, regarde, ça leur a rien donné, absolument rien. Et à toutes les fois quand j'en ai parlé, j'ai mangé une volée. Je suis pas sorti de chez nous, j'ai mangé une volée. Fait que ça sert à quoi de parler? Ça se rend pas jusqu'aux bonnes oreilles. Comment j'explique ça? C'était l'été, faut dire. Les chefs d'équipe ont été en vacances un après l'autre, mais pendant l'été, j'ai parlé à trois chefs d'équipe différents parce qu'ils remplaçaient l'autre, qu'ils remplaçaient l'autre, remplaçaient l'autre. Les intervenants, il y avait des remplaçants, il n'y avait personne. J'appelais, puis je parlais toujours à des personnes différentes. Puis voyant que ça ne bougeait pas, que ça n'avançait pas, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fermé mon dossier. J'ai fait, je pouvais pas faire grand-chose hein, quand on est au CLSC, puis eux autres. J'ai pensé souvent, après, que j'aurais peut-être pu, parce que quand j'ai su ce qui s'était passé pour le vrai, appeler le DPJ. Mais je l'ai pas fait, puis je sais pas si ça aurait donné quelque chose. Ça, c'est la vitre que ma mère a changée parce qu'elle avait pété quand j'avais dit que mon beau-père m'abusait. Elle l'avait pété avec son poing. Sur le coup, elle était en colère. Puis le lendemain, lui, il l'a demandé en mariage. Elle m'a dit « Pardonne-y, je l'aime. » Je t'ai dit d'enlever tes enfants dans l'escalier! J'ai tout le temps! Maman? Ça me fait chier! Tout le monde le savait. Parce que ma marraine m'a parlé, puis elle me dit « Nous, on voulait t'adopter tout petite, puis ta mère voulait pas. » Puis ils savaient tout ce qui se passait, que ma mère nous battait, puis... Tu sais, ils savaient tout ça, là, qu'on était agressés, puis... Ils étaient là, « Ouais, mais tu sais, on pouvait pas, tu sais, c'était notre sœur, puis... On pouvait pas détruire une famille comme ça. »
regarde ça aujourd'hui, puis j'ai de la peine, puis j'ai de la rancœur de voir qu'il y avait autant de monde, autant d'adultes alentour de nous autres, puis qu'il n'y a personne qui a voulu lever le petit doigt, tu sais. Si je regarde, tu sais, à côté, j'ai mon oncle Fernand qui reste là, qui se pétait les bretelles, lui, avec son cache, puis qu'il nous voyait crever de faim, puis se faire battre par mon père, puis qui n'a jamais levé le petit doigt pour nous aider, qui n'a jamais rien fait pour nous aider. Moi, ça me révolte. Vous êtes le frère de Gilles? Oui, oui. Vous savez que votre frère est en prison? Oui, c'est ça. Saviez-vous, vous, ce qui se passait? Non, je ne savais pas. Vous ne saviez pas, vous? Non, je ne savais pas, monsieur. Oui? Non. Vous ne saviez pas ça, vous? Mais non, monsieur, je ne savais pas. Parce que ça n'a pas marché pour moi. Oui? Ah, je ne l'aurais pas laissé faire. Moi, tout ce que j'ai fait pour la famille, j'ai été bon pour eux autres. Les autres, c'est pas ça qu'ils disent, là. Ils disent que vous le saviez. Ben, jamais. Le seul, vous avez aidé, c'est votre frère. Vrai. Puis nous autres, on était quoi? Rien que des bébés tacus. On était rien que des estis de bébés tacus. Puis toi, là, t'as laissé faire ça. Je le savais pas. Regarde, lève pas la patte sur moi, t'es pas en condition. Je le savais pas. Moi, je te dis, oui, tu le savais. Non, monsieur. Ta femme le savait, comme les autres le savaient. C'est pas vrai. Vous êtes tous venus voir à tour de rôle, puis vous avez tout dit. C'est pas vrai. Le petit chien, puis il m'avait tout flatté dans ma tabarnak. C'est pas vrai, je l'aurais pas laissé faire. C'était pareil comme mon père, c'est dans la même prise de la vie. C'est de là que tu connais pas ce que je suis. Pierrette, elle le savait. Toi, tu le savais. Pas vrai. Paul pas le vrai, savait. Tout le monde. Quand votre frère frappait ses enfants, quand votre frère violait ses enfants... Je ne savais pas, ça. Ah oui, vous l'auriez vu frapper... J'ai pas peur de personne. J'ai pas peur de personne. Non, monsieur. Vous l'auriez vu frapper, non. Vous seriez intervenu? Oui, monsieur. Ah oui? Oui, monsieur. Pourquoi vous l'avez pas fait? Oui, mais je l'ai pas vu. Il y a des fois, c'est vous quoi? On veut pas voir. Pas vrai. Non, on non, veut monsieur. Pas voir. On aime mieux pas le savoir. Je m'excuse, mais moi, je suis le gars qui aime avoir, puis je suis le gars qui cherche à voir. Puis vous avez rien vu? Non, monsieur. Vous cherchez à voir, non, puis vous avez rien vu? Non, monsieur, j'ai jamais rien vu. Puis j'aurais vu quoi? J'y allais vu à okay. Ça. Merci, monsieur Lacombe. Ben, il y a pas de quoi, prenez-vous. Je suis bien content de vous avoir parlé pour ça. L'histoire de la famille, c'est un petit peu ça. C'est le patriarche, la famille, qui cherche à... protéger toujours, puis ça l'a toujours été ça. Ça a toujours été comme ça. Moi, ce que je me souviens du grand-père, c'est qu'il était aussi recollu que le père pouvait l'être. Moi, il me recollait, en tout cas, à plusieurs reprises. Puis quand il m'embrassait, bien, il sortait toujours la langue. Moi, là, il me semble là, que je mettrais une bombe site là, pour tout faire sauter, pour tout faire disparaître ça, parce que c'est... Il y a tellement de mauvais souvenirs ici, là, c'est... Pouf! Ben, tu sais, je voudrais voir mon père sortir pour écrire une volée vraiment la journée qui sort, tu sais. Sauf qu'encore là, il y a beaucoup de monde qui me dit de pas faire ça, parce que tu vas prouver au monde que t'es comme lui, en fond. Parce que il y a les psychologues qui m'ont dit qu'il y avait des chances que je sois comme lui plus tard. Fait que c'est sûr que oui, tu sais, comme là, j'ai pas d'enfant à moi, mais si un jour j'en aurais, c'est un stress qui est là, pareil, là. Je pourrais pas le savoir tant que je le vivrais pas. Puis sûr que je veux pas faire ça, je veux pas être comme lui, là. Et vraiment pas, puis je pense pas que je vais être comme lui, là. J'en suis pratiquement sûr, là. Que moi, je crois qu'il arrive des cas où il faut sortir les enfants. Mais au-delà de ça, qui les sort et où on les envoie? On peut pas juste dire « on sort les enfants ». T'as pas fini ta phrase quand tu dis ça. Tu l'as pris, tu l'as emmené où, puis il fait quoi, avec qui? Réponse, la DPJ et les centres jeunesse. Oublions les délinquants, ne parlons que des enfants battus, négligés ou abandonnés. Protection de la jeunesse, c'est le fichier, bonjour. Où vont-ils? Qui s'occupe d'eux? Les intervenants et nous, faut assumer qu'on n'est pas là pour être aimable ou aimé par les parents. Être à la DPJ, ce n'est pas un voyage à Acapulco. Trouvez-vous que c'est trop gros comme structure? À mon point de vue, c'est un faux problème. Ce qui compte, c'est que les intervenants qui sont en aide avec les jeunes puis les familles, ils soient proches, puis ils soient que les gens n'aient pas 200 km à faire pour les rencontrer. Tu n'as pas ça trop gros comme bureaucratie?
Non, ça c'est un... À mon point de vue, c'est un faux problème. Parce que les équipes sont déployées vraiment dans les communautés. Je pense que ces gens-là, là, ils savent pas de quoi ils parlent. Ils savent pas de quoi ils parlent, parce que moi, là, je les connais pas. Ils sont pas avec nous. Nous, on touche facilement, quotidiennement, je dis bien quotidiennement, près de 1000 enfants, et jamais on les voit. Ils savent pas qu'on existe. Ils savent pas qu'il y a une rue Adam, qu'il y a une rue Sainte-Catherine, qu'il y a une rue Ontario aussi. Et la DPJ, là, moi, je pense qu'ils sont dans leur tour. Comme souvent, beaucoup de gens disent, ils viennent pas sur le plancher. Et comme toute bonne bureaucratie, elle veut plus d'argent. Il faut investir plus de 36 millions de dollars dans l'ensemble des centres jeunesse pour... Parce que c'est beaucoup de postes, dans le fond. C'est beaucoup d'intervenants qui doivent s'ajouter à la batterie là, de celle qu'on a actuellement. On investit dans quoi? Dans le béton? Dans les murs? On investit dans de la paperasse? En tout cas, on investit dans les bureaux. Voici les meubles abritant l'Association des centres jeunesse du Québec en plein centre-ville de Montréal. L'édifice a été choisi immeuble de l'année. Son hall de 3 étages de haut est constitué de marbre et de granit. Et les fenêtres sont panoramiques. On a tout enlevé ce qui était staff dans les écoles. Tout ce que c'est qui est travailleur de milieu, il n'y a pas de subvention. À moitié travailleur de rue, c'est subventionné à la pièce, pour aller à la piastre. Ici, dans le quartier, il y a 2 ans, on avait 1,2 million de dollars pour contrer ou combattre la pauvreté. Le fonds a changé. 175 000 pour notre quartier ici. 175 000, ça remplace le 1,2 million. Puis quand on réussit à avoir un 1 000 ou un 2 000 d'une organisation, on nous tape sur l'épaule pour nous dire « On sait que tu es capable de faire beaucoup plus avec notre pièce. » Vos bureaux, c'est pile les maisons neuves. C'est pas les prix meilleurs marchands en ville pour des espaces à bureaux. Il y a eu quand même une période où les loyers étaient plus modiques, effectivement. Mais donc, on a pu bénéficier de cette... Vous payez combien de pieds carrés ici? Je pourrais pas vous dire exactement. À peu près? Je sais pas. Il faudrait que je vérifie. Mais vous avez quelle superficie à peu près? Vous occupez quel espace? Je sais pas, en termes de pieds carrés, il faudrait que je vérifie ça. Les enfants en protection n'ont pas tout à fait droit au même luxe. Nous voici à Saint-Jérôme. Il s'agit d'un centre d'accueil. Les clôtures ont 15 pieds. Il y a même du barbelé par endroits. Avons-nous affaire à de dangereux criminels? Non. Ce sont des enfants de 6 à 12 ans qui ont tout simplement besoin d'aide et d'amour. Un enfant a besoin d'une famille d'accueil. Il n'y en a pas, alors on va dire placez-le en centre d'accueil. On nous demande, on nous commande, on exige qu'on fasse des compromis dans nos jugements pour rendre les jugements conformes aux ressources qui existent. Et non conforme aux besoins des enfants. Le système de la protection de la jeunesse, c'est eux qui livrent les services, qui jugent leurs services et qui fabriquent le scénario de théorie de cause pour la Cour. Alors, son juge est parti. Les juges donnent presque toujours raison à la DPJ. Personne ne peut se vanter d'une telle performance devant le tribunal. Oui, on peut dire qu'environ 9 décisions sur 10 vont dans le sens des recommandations qu'on fait à la Cour. Moi, j'ai l'impression, après 15 ans de travail, que placer un enfant, c'est comme rendu banal. Et il y a eu une rotation énorme d'intervenants dans les dossiers. On pouvait voir 3, 4, 5 intervenants dans une année prendre les dossiers un après l'autre et faire le petit bout de chemin avec eux en perdant la vue d'ensemble de l'ordonnance. Et tout le monde jouait finalement à chaise musicale avec les dossiers. Ce qui s'est vécu dans les 10 dernières années d'un centre jeunesse, la création des centres jeunesse, la fusion des établissements, a amené des mouvements de personnel, des changements de structure. Et que cette instabilité-là nuit à la qualité du travail qu'on a à faire. C'est que les gens des centres d'accueil ne connaissent pas leurs patients, leurs clients, leurs enfants, leurs adolescents. Ça, je l'ai vu, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une travailleuse sociale, une TS, comme on dit dans le milieu, doit s'occuper de combien d'enfants? Version de la ministre. On a un 22. Version du haut fonctionnaire. Là, selon moi, les chiffres que j'ai les plus récents, c'est 21-23. La réalité. Moi, au niveau de la prise en charge, j'ai 25 jeunes à peu près dans à peu près 18 familles d'accueil.
Parce que j'ai vu des TS qui avaient des enfants en famille d'accueil, les Laurentides, Rive-Sud, Québec, et qui passaient son temps à se promener sur la route. Ça, je vous dirais, c'est assez exceptionnel. En règle générale, je pense pas que ça soit exceptionnel. Mais... Ben, je pense que oui. On a partout. J'en ai, moi, qui sont à Saint-Amab. J'en ai qui sont dans les Laurentides, tout ça. Ce qui fait qu'on accorde à chaque enfant moins de 2 heures par semaine. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un prend des vacances? Une TS prend des vacances. Qui s'occupe des dossiers? Idéalement, ça serait d'avoir suffisamment de ressources pour remplacer toutes les absences de formation, de congés et des vacances aussi. C'est pas la réalité actuelle. Donc, ça veut dire que des TS, déjà avec un bon nombre de dossiers à s'occuper, se voient donner d'autres dossiers pendant les absences prévues. Oui. Ce qui fait qu'on s'adresse uniquement là, aux situations les plus aiguës. Mes chefs d'équipe ont été en vacances un après l'autre, mais pendant l'été, j'ai parlé à 3 chefs d'équipe différents parce qu'ils remplacent à l'autre, qui remplace à l'autre, remplace à l'autre. Les intervenants, il y avait des remplaçants, il y avait personne. Vous avez la Finlande qui se dit qu'il y a 1% de décrochage scolaire parce qu'il y a un professeur pour 15 étudiants. Ici, on fait des réformes au niveau scolaire à tous les 3-4 ans, puis on oublie toujours, finalement, qu'il y a un professeur pour 35 étudiants. 42% de décrochage à Montréal contre 1% en Finlande. Parce qu'eux autres, ils se disent qu'on n'a pas les moyens de sacrifier un seul enfant. Un enfant qui est pris en charge depuis l'âge de 2 ans arrive à 15 ans pour trouble de comportement, puis il n'y a personne qui est capable de me dire qu'est-ce qui s'est passé de 2 à 15 ans. Il me semble que c'est important. Prenons le cas d'un enfant de 6 ans placé jusqu'à 18 ans. Est-ce que l'avocat chargé de le défendre vérifie ce qui se passe avec l'enfant à 7 ans, à 9 ans ou à 12 ans? On ne sait plus ce qui se passe avec les enfants, les procureurs. Si l'enfant ne rentre pas en communication avec moi, non. Je ne penserai pas nécessairement à communiquer avec tous les jeunes de façon à tous les 6 mois ou à tous les ans, pour savoir comment ça va, non. La plupart du temps, je ne sais pas par après, ils peuvent avoir été transférés et je ne le saurai pas. Il faudrait donc qu'un enfant de 7 ans ou de 9 ans téléphone lui-même à son avocat. Ça peut paraître un non-sens vu comme ça, mais c'est la réalité. Souvent, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, un système qui s'occupe des enfants devrait être jugé plus durement que les autres parce qu'ils ont une plus grosse responsabilité. On a même, à l'occasion, fait des comparaisons entre ce qui se passe dans le milieu carcéral adulte par rapport à ce qui se passe à l'égard d'enfants en situation de protection, là, qu'on veut protéger. Et c'était le jour et la nuit, là, dans le sens où on était beaucoup plus dur, tant au niveau de l'intervention qu'au niveau des lieux physiques chez les enfants que chez les adultes. Où sommes-nous? Dans un centre jeunesse ou dans un pénitencier? Julien, pédophile, sera en liberté d'ici 1 an ou 2. Il a droit, comme tous les autres détenus, au service offert, ce qui veut dire thérapie, formation, petit travail rémunéré et bien sûr un havre de paix pour les visites contacts de sa conjointe. Ils vont avoir accès à de l'aide dans leur environnement, dans le milieu dans lequel ils vont retourner. J'ai jamais été suivi, j'ai jamais eu d'aide pour ça. Puis j'avais un père pédophile puis une mère violente.
Donc, s'ils rencontrent des difficultés à ce moment-là, à se réadapter au niveau de l'emploi, au niveau de toutes les relations familiales, de toutes les sphères de leur vie, ils seront pas seuls pour y faire face. Mon père a fait 3 mois de prison, puis quand moi j'ai eu 4 ans, que je me souviens, on est retourné là les fins de semaine chez mon père. Puis ça a recommencé. Ça a duré jusqu'à ma fin de ma maternelle. On n'a jamais eu de thérapie pour ça, rien. Je comprends pas, là, t'es pédophile, tu l'es toujours. La jeune fille qui avait été abusée pendant plusieurs années, 3 ans après, elle avait eu aucune thérapie pour l'abus sexuel. Donc, elle a juste fait du temps pendant 3 ans. D'ailleurs, quand on entend un jeune parler de centre d'accueil, il utilise des termes très forts. Je fais du temps. Tu sais, ça, c'est des termes de prisonnier, ça, là. Je fais mon temps, je fais ce que j'ai à faire, je dis ce qu'il veut entendre. Si tu sors un enfant de chez lui pour l'amener en prison, parce que c'est un peu l'équivalent de ça, ou tu le bardasses avec des familles d'accueil, on a un mauvais système pour ça, où il reste dans des centres, où là, il est enfermé, puis s'il est turbulent, on l'enferme. On utilise énormément toutes sortes de formes de confinement, donc des privations additionnelles de liberté, comme par exemple de mettre des enfants en isolement, de mettre des enfants en retrait de longues heures ou en arrêt d'agir, par exemple. C'est un programme 0-5 jours où ils peuvent être dans leur chambre jusqu'à 21 heures par jour. Je dois vous dire que lorsque j'en ai entendu parler, j'ai voulu être rassurée. C'est ce qu'on a fait. Cette mesure n'est utilisée qu'exceptionnellement. Et on m'a garanti que c'était dans des situations uniquement où c'était pour la protection de l'enfant ou la protection de son entourage. Il n'y a rien de pire que d'arrêter d'agir quelqu'un. Je trouve ça une violence extrême. Eux autres pensent que c'est poli puis que c'est un terme politically correct. Ils viennent de se vendre en esti. C'est une des pires cochonneries. C'est pas arrêter d'agir, c'est arrêter d'être. Parce que le jeune qui fait une crise, il est en train de revendiquer quelque chose, il n'en peut plus, là. Faut écouter ça. La position de la commission a été que la loi ne permet pas cette situation-là extrême où on va vraiment isoler un enfant, même si, selon cliniquement parlant, selon les intervenants, ça peut être bénéfique, la loi ne leur permet pas. Donc, nous, à partir de ce moment-là, où on est interpellé, on va intervenir pour faire en sorte que l'enfant soit remis dans un contexte, justement, d'hébergement, mais d'hébergement où est-ce qu'on va lui offrir des services de rééducation. On ne le mettra pas dans un endroit isolé, souvent pendant des heures, et j'aimerais dire juste des heures, mais on a pu constater à plusieurs occasions c'est que c'était pendant plusieurs jours que les enfants étaient isolés dans des salles, seuls, portes fermées, clé dans la porte. On a vu des choses abominables. Pourquoi? Où est-ce que les enfants sont demeurés dans des chambres pendant des mois, embarrés pendant des mois. On est au Québec en 2004, là, on a vu ça en 2002-2003, là, où est-ce que des éducateurs, dans un cadre d'un exercice d'un pouvoir, parce que c'est certain, ils ont un pouvoir très important, et maintenaient des enfants parce que l'enfant leur avait fait une grimace, et puis, c'est un autre 24 heures en isolement dans ce genre de situation-là. Je répète, que pour moi, cette mesure-là doit demeurer exceptionnelle. Ça, quasiment tous les jours, là, j'allais en salle d'isolement. Quand je réussissais pas à fuguer, là, je passais des 12 heures dans le trou à sacrer des coups de poing dans la porte. Ben moi, quand je suis rentré au Mont-Dieu-Ville pour commencer, je dirais qu'ils ont pas su pourquoi j'étais là. Je sais pas quoi, là, mais j'ai été traité comme un petit délinquant, comme un petit gars qui, je sais pas, il respecte pas ses parents, il fume du pot, genre, puis que tu rentres, genre, puis tu fermes ta gueule, tu fais ça. J'ose la voix un peu. Salle d'isolement, tout ça. Genre, tu sais, ils te mettent le bras dans le dos, ils te rentrent dans une petite salle là, avec du tapis, là, pis tu restes là. Si tu pioches encore, tu fesses, pis tu sais, tu cries, pis tout ça, ben, ils t'envoient à la petite relance. Que ça, c'est une autre salle où c'est vraiment isolé, y a plus rien, là. Tu sais, c'est comme tu cries autant que tu veux, là, y a personne qui t'entend. Moi, j'ai parlé avec les centres jeunesse. Les centres jeunesse m'ont garanti que ça se faisait sur une base exceptionnelle. On regarde les murs. On compte les lignes, les planchers, les carreaux. On regarde le plafond. C'est très long. J'ai vu des salles d'isolement dans lesquelles j'aurais jamais voulu y être pendant 5 minutes. Et moi, j'ai toujours dit, pour évaluer l'équacité de ce genre de pièces-là, bien, de mettre peut-être des adultes là-dedans, des dirigeants, des gens responsables, et les enfermer là pendant une demi-heure.
Vous avez jamais vu une salle d'isolement? Non, mais on m'en a parlé. On a trois. Bon. Quand on laisse les jeunes pas voir à l'extérieur. Pourquoi il n'y a rien? Mais c'est parce que si les jeunes ne restent pas. Nous, tout de suite, quand la crise est finie, les jeunes sortent. Il n'y a pas de jeunes qui restent ici à long terme en réflexion. Là. Ils sortent automatiquement. Quand la crise est finie, ils sortent. On rouvre la porte. Ne vous laissez pas dire, jamais, que les enfants passent une demi-heure ou une heure en isolement. Les enfants passent de très longues périodes en isolement. Comment vous trouvez ça? Pour moi, là, c'est une mesure qui est exceptionnelle. Aussitôt qu'ils vont dire, ben moi, je suis pas d'accord. Isolement. Dans des cas où les jeunes risquent de se causer des blessures ou risquent de se faire mal à eux-mêmes. Aussitôt qu'ils vont dire, ben moi, ça me tente pas de faire ça. Isolement. On a ici une salle où il y a des fenêtres. Expliquez-moi juste une chose. Si c'est exceptionnel, pourquoi est-ce qu'on en a trois? Il y a quelque chose de morbide dans cette façon de faire que les enfants subissent et c'est indescriptible. Ce qu'on nous explique ici, alors moi, j'ai pas de raison de ne pas croire ce que M. Gosselin nous dit, c'est que quand la crise est finie, les jeunes sortent, ils retournent avec leurs activités. Si la mesure, ma question, c'est si la mesure est exceptionnelle, pourquoi est-ce qu'on a besoin de trois salles? Mais là, quand même, il y a combien de 130. Jeunes? Il n'y a pas 1000 personnes ici, là. 130 jeunes, 3 salles d'isolement. Bien, il faut poser la question à monsieur. Là. Mais vous trouvez pas ça beaucoup? J'ai pas de moyen de mesurer si c'est beaucoup ou pas. Tout ce que je sais, c'est que ces salles-là, ce qu'on me dit, sont utilisées pour des mesures exceptionnelles et de façon exceptionnelle. Mais là, juste comprendre, là, ça marche. Entrez donc, juste voir. Mettons, on ferme ça. Je peux? Oui. Là, il y a quelqu'un qui barre ça. Oui. Puis là, il arrive quoi? Il y a toujours quelqu'un en surveillance. Si le jeune veut sortir, il va cogner dans la porte de quelqu'un qui va lui ouvrir. C'est égal. OK. On a toujours des agents en surveillance. Il y a personne qui se blesse là-dessus? Non. Il y a personne qui cogne la tête là-dessus? Qui... Ça peut arriver qu'un gars donne un coup dans le mur. Si un gars se blesse... Honnêtement, là, ça peut... Ça peut arriver. Oui, c'est pas... Vous trouvez pas ça un peu sombre et... Alors moi, je fais pas la promotion de ces chambres-là, là, très honnêtement. On est venu la voir. On nous dit que c'est utilisé quelques fois par jour, des fois plusieurs fois par jour, ça dépend des circonstances. Moi, je pense qu'il faut pas non plus donner l'impression que c'est une mesure qui est utilisée 365 jours par année pour les mêmes enfants. Là. Alors, est-ce qu'il arrive, pas ici, là, mais qu'un enfant peut se retrouver 23 sur 24 dans sa chambre à l'unité ou dans le local de l'unité? Très rare. Parce que les jeunes auront le droit de sortir dans la journée. Nous, si on fait un accompagnement particulier, on accompagne nos jeunes tout le temps. Un jeune peut être dans sa chambre, mais il va avoir des temps de sortie, il va participer à certaines activités, mais il ne sera pas laissé 24 heures sur 24 dans sa chambre. Ça arrive, 23 sur 24? Non. 22? Non. Combien? 6 heures, 20 heures maximum. Donc, des 20 heures, c'est déjà arrivé il y a quelques années. Ça n'arrive plus? Non, ça n'arrive plus. Ça n'arrive pas ici à Québec. Peut-être ailleurs. Je ne sais pas. Moi, je ne parlais pas pour ailleurs. Je vais parler pour les centres que je m'occupe. OK. Que je dirige. On veut fabriquer des enfants qui ne dérangent pas. C'est une grosse erreur. Les gens qui aident la société ont toujours été des gens qui dérangent. C'est des trésors, faut les garder. Fais attention, parce que si tu les empêches, ils vont déranger pareil, mais d'une autre façon qu'on n'aimera pas après. Alors l'idée de fabriquer des enfants sages, c'est une grosse, grosse gaffe. C'est fabriquer des enfants heureux. Comment ça fait qu'on mélange ça? Faut fabriquer des enfants heureux, pas des enfants sages. On fabrique des enfants foutus en ce moment. Le pourcentage est d'environ un petit peu plus que 40% des jeunes qu'on a dans nos services ont une médication là, au niveau psychiatrique. À 12 ans, Francis affirme être maltraité chez lui. Il contacte la DPJ pour obtenir de l'aide. Résultat, même si sa grand-mère veut l'héberger, on l'enferme dans un centre d'accueil et on lui prescrit des médicaments. Dans ce dossier-là, ce que je trouvais aussi étonnant, c'est qu'on a donné des antidépresseurs à cet enfant-là. On l'envoie pendant l'été pour une période d'un mois, je pense, ou de quelques semaines en milieu naturel, mais on oublie de faire suivre la prescription des antidépresseurs. Ce jeune-là a vécu une souffrance due, finalement, à un sevrage. Est-ce que tu te sens mieux depuis que tu n'as plus de médicaments? Oui. Okay. On dirait que j'ai plus de facilité à me calmer. C'est toujours la grand-mère qui a toujours poussé pour que tout soit fait dans les règles. Et
parce qu'elle veut un retour de l'enfant, soit chez le père ou la mère ou chez elle, elle passe pour être tannante. Ça va mieux, je trouve. Puis, je veux pas, ça a fait un impact. Je prenais beaucoup de poids, là. Ça fait combien? 30 livres. Okay. Ça coûte cher, des psychologues. Ça coûte cher, des psychiatres. Puis bien souvent, ces gens-là auraient plus besoin d'être ça que n'importe quoi d'autre. Et c'est très dur à les avoir, parce que c'est des questions de budget. Alors nous, on a à gérer les risques aussi en psychiatrie avec ces jeunes-là. Et souvent, on n'a pas une formation à tout casser. Les éducateurs dans ces services-là, est-ce qu'ils reçoivent une formation régulière? Quel est leur background au niveau pratique? Est-ce qu'ils ont de la formation continue? Tout ce qui est souhaité, ce qui est... Mais dites-moi pas ce qui est souhaité, dites-moi ce qui est réel. Ce qui est réel, c'est que... Observez bien la stratégie pour ne pas répondre. Chaque intervenant actuellement doit aller dans un programme de formation continue. Même ce que le ministère reconnaît, là, il y a un document du ministère actuellement là, qui est une offre de service du programme Jeunes en difficulté, pour lequel il est souhaité qu'il y ait une formation continue. Alors, éventuellement, ça va être même être plus que 16 jours, c'est-à-dire que tous les intervenants devront être en formation de façon continue parce que l'évolution des pratiques ne cesse pas. Oui, vous me dites « devront ». Moi, je vous parle aujourd'hui, là, au moment où on se parle, c'est pas le cas. Que chaque intervenant a 16 jours, aujourd'hui, non, c'est pas le cas. Alors, aujourd'hui, chaque intervenant a combien de jours de formation? Je pourrais pas vous donner un chiffre exact, là. Mais c'est certainement que chaque intervenant a un certain nombre de jours de formation. On dit autour de 7 jours. C'est possible, j'ai pas le chiffre exact. Et là, embarque aussi la dynamique du suicide. Plus de 30 % de nos jeunes dans nos services sont à haut risque suicidaire. Moi, j'ai un client qui a fait une tentative de suicide au mois de décembre. Et au retour de l'hôpital, comme conséquence, on le fout 5 jours en retrait. C'est pas le premier, c'est que ça arrive. L'an passé, à notre camp de relâche, il y avait 28 enfants sur 70 qui prenaient soit du Ritalin ou un médicament quelconque. Mais il y a des mamans qui vont porter leur Ritalin ici, l'été, ils nous laissent ou qu'ils laissent à l'école durant le temps d'école parce que le papa, c'est lui qui gèle au Ritalin quand l'enfant n'est pas là. Fait qu'il faut enlever, vous savez, c'est pas de papa, c'est bien plus souvent un chum, là. 90 % de ce qui se vend pour une population normale dans une pharmacie est inutile. Médiquer, là, c'est comme un apport extérieur qui excite tout le monde. Alors, c'est évident que c'est la solution la plus facile pour ces enfants-là. Mais c'est affreusement triste et tragique d'en être rendu comme ça, dans des sociétés qui auraient pu se permettre autre chose. Pourquoi est-ce qu'on t'a placé à cet âge? La seule affaire que je pourrais dire, c'est que je sais que j'ai été fessé, j'ai été abusé physiquement, mais j'ai pas de souvenirs tels quels. On m'a pas expliqué rien, c'est vraiment un signalement qu'il y a eu. Puis, je suis parti là-bas, je sais qu'ils m'ont rencontré dans un bureau, puis tout là. Dans ce qu'on appelle le système de la DPJ. Là. D'abord, t'as fait combien d'endroits, là? Jusqu'en 93, je pense que j'en ai fait 8-9. Puis après ça, mais là, c'est là que ça a commencé, là. Tu veux le total au complet, là? 24. En ce temps. De 4 ans jusqu'à 15 ans. 33. Je peux tout t'énommer. Joliette, je les ai tout fait. Deux foyers de groupe, le centre d'accueil, NTL. J'en ai fait un, je me souviens plus de la ville, là, mais j'ai resté à Saint-Félix, j'ai resté à Sainte-Mélanie, j'ai resté à Joliette, à Montréal, j'ai resté à Repentigny, j'ai resté à l'Épiphanie, j'ai resté à Sorel, j'ai resté à Berthier. Ils te promènent, là, faut que tu changes de travailleur social parce que t'es plus dans la même ville. Puis aujourd'hui, quand comme aujourd'hui, je les encore dans ma vie, ben aujourd'hui, ils te demandent la chose la plus importante aujourd'hui pour tes enfants, là, c'est la stabilité. Ça, c'est tous tes rapports de psychologie, rapports de cours, les évaluations de 30 jours. C'est le corps du dossier. Là. C'est 317 pages de dossier. J'ai créé un autre genre de Bible. Ben, la Bible de DPJ. C'est vraiment le cas, là. C'est ça que j'ai créé. Hein. Je peux pas te dire pourquoi j'ai changé autant de fois de place. C'est pas moi qui ai décidé. C'est pas moi la DPJ, là. C'est pas moi qui ai décidé de mon sort. Là. Je me suis jamais senti à ma place. Jamais. J'avais pas d'affaire d'être là de toute façon. Je sais pas pourquoi je me suis ramassé là. Puis j'étais pas bien dans ces familles-là. Donc,
Il n'y a pas une, qui a plus besoin de moi, puis je n'étais pas à ma place. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils font du in-and-out? Très souvent, c'est justement parce qu'on veut redonner une chance aux parents. Au bout d'un an, la mère va un petit peu mieux. Fait qu'on ramène le petit. Puis on donne des services. Puis au bout de 6 mois, ça va pas. Fait qu'on retourne en famille d'accueil, mais habituellement pas la même que la première, parce que la première est plus disponible, ils ont déjà d'autres enfants. Puis d'une affaire à l'autre, d'un retour, d'un départ et un retour à l'autre, on finit par passer à travers plusieurs familles d'accueil. Et je suis entre sa 11e ou sa 14e famille d'accueil, parce qu'il retournait chez sa mère. Sa mère se replaçait, retournait. Et là, lorsqu'il est arrivé à... peut-être la xème fois, 11, 12, 14 fois, je sais pas. Le juge a dit, c'est suffit. C'était un enfant qui était chez lui, qui était seul les fins de semaine, parce que sa mère allait boire. Il se réveillait en hurlant, en criant, maman, 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 il cherchait sa mère. Une fois, parce que quand j'étais petit, ma mère était partie sans moi, puis moi, je m'avais réveillée, puis je savais plus, était où maman, je vais être 911. Puis t'étais où dans ton lit? Oui. Un lit avec des côtés ou pas trop? Ouais, avec des côtés. Comment j'ai fait pour sortir de là? Il y avait plein de toutous, je voulais monter sur les toutous. J'ai grimpé sur quelque chose, je m'en souviens plus, puis le téléphone était là. J'ai fait le 911. Comment tu savais qu'il fallait faire le 911? Il y a juste ça que ma mère m'avait appris, de faire le 911. À chaque fois qu'il changeait de famille d'accueil, il perdait tout. Jouets, vêtements, à chaque fois. S'il y avait un objet à lui, un jouet, ça devenait sa possession, c'était à lui. Alors dès qu'on touchait à ces choses, il attaquait. S'il a été élevé dans la méfiance, c'est-à-dire que si dès le départ, il est resté dans sa piste, dans sa marde, on ne lui a pas donné à manger assez vite, si ça n'a pas été rapide, chaleureux, cette réponse-là, rapidement, l'enfant va considérer qu'il est moins bon qu'un autre, qu'il va vivre la honte et qu'il va, en fait, toujours considérer l'autre comme quelqu'un d'éventuellement méchant. Alors, on m'a présenté que c'est un enfant qui avait besoin d'une famille d'accueil pour lui, tout seul, pas d'autres enfants avec lui, parce que c'est un enfant qui mordait, qui blessait les enfants, qui faisait mal tous les enfants. Il a bien fait de mordre. Il a bien fait de se révolter. Ces enfants-là sont en colère perpétuelle contre la famille d'accueil, contre la famille biologique ou contre toute personne qui essaie de les aider. Et c'est extrêmement difficile de revivre avec ces enfants-là de bons moments. Parce que même si vous arrivez comme éducateur, comme pédiatre ou éventuellement comme famille d'accueil, avec les meilleures intentions du monde, jusqu'à preuve du contraire, il va vous haïr et il va avoir raison de vous haïr. Ici, je suis le maître. J'ai des griffes. Mes griffes poussent. Je vais tout détruire. C'est ce qu'il me dit, la première bonsoir qu'il me dit. Je vais tout détruire chez toi. Je vais tout casser chez toi. J'avais un berger allemand. Il dit, ton berger allemand, je vais le tuer. Puis ton manger, il est pas bon. Puis il nous le disait, j'ai fait tant de familles d'accueil, moi j'en ai... Puis il nous disait des noms, hein. Il nous donnait des noms. Ils m'ont tous jeté dehors. Alors toi aussi, tu vas faire la même chose que tout le monde. Tu vas nous jeter dehors à 4 ans, là. Nous dire ça, là. L'échec de la protection, en bonne partie, est lié à ça. On maintient les droits parentaux beaucoup trop longtemps, avec toutes sortes d'espoirs que les choses vont aller mieux. Mais encore une fois, comme je disais tantôt, si la madame, ça y prend 5 ans à aller mieux, correct pour elle, mais le petit, il n'est pas au congélateur pendant ce temps-là. Là. Il a établi des liens, il s'est développé. Les 5 premières années de la vie, là, ça ne se refait pas. Quand un enfant est placé avec l'idée qu'il va retourner alors qu'il ne retournera jamais, qu'il est ballotté d'une décision à l'autre comme celle-là, il devient aussi incapable d'investir la famille d'accueil qui voudrait l'aider ou l'autre lieu d'accueil parce qu'il vit dans la nostalgie et une forme d'illusion. Et c'est souvent des enfants dont les placements-déplacements ont été la source de telles illusions qui n'ont jamais pu s'ancrer, qui n'ont jamais pu faire l'expérience d'une relation vraie, avec un attachement vrai, avec finalement un amour vrai. Et moi, je trouve qu'il faut développer une obsession de la stabilité pour ces enfants-là. Et oui, beaucoup d'enfants ont vécu de l'instabilité. Parlons-en de la stabilité. Françoise Boivin et Jacques Larocque vivent avec leurs 2 enfants naturels, mais ils sont sans nouvelles depuis 18 mois des 4 enfants que la DPJ leur avait confiés. C'est des enfants qui étaient très carencés.
Ils souffraient d'abandon, ils souffraient de désorganisation là, de leur personne, tout ça. C'était vraiment... Les trois derniers bébés là, que on a accueillis, c'était vraiment là, des cas là, très lourds. Là. Des enfants qu'ils aiment, des enfants qu'ils ont aidés à combler de graves retards. Une famille heureuse jusqu'au jour où tout a basculé. J'ai pris des chèques qui étaient déjà signés. J'ai marqué mon nom dessus. Et puis, je les ai encaissés. J'étais au casino. Je ne savais pas que j'avais un problème de jeu. J'ai dépensé à peu près 38 000, 40 000 $. Ma femme, elle ne savait pas. Fait qu'ils ont dit, écoutez, de toute façon, vous allez être en justice pour cette affaire-là. Puis, il dit, non. Il dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il dit, on va fermer votre famille d'accueil. Là, un matin, ils nous ont convoqués au centre jeunesse. Puis là, durant la conversation, ils ont dit, écoutez, nous allons évaluer votre situation, bon, tout ça. Et puis, à la fin de la conversation, elle dit, vous savez qu'il faut qu'on collabore pour le bien-être des enfants, parce que ça, c'est leur phrase magique. Fait que, elle me dit, présentement, il y a une intervenante qui est partie à l'école chercher l'enfant la plus vieille pour l'emmener dans une autre famille. J'ai dit, pardon. Je me suis levée et j'ai dit, la réunion vient de se terminer. Ça fait une heure et demie que vous me parlez de la communication, du bien-être des enfants et de l'intérêt des enfants. Vous prenez un enfant qui fait 5 ans, qui se lève tous les matins dans la même famille, qui sait où est-ce qu'elle va manger, dormir et se relever pour aller à l'école. Et là, vous me dites que vous êtes partie. Non, ça, c'est inadmissible. Je me suis rendue à l'école. Fait que là, j'ai pu prendre l'enfant puis là, lui dire que c'était pas de sa faute. Qu'elle avait rien, rien, mais rien à faire là-dedans. Que c'était des décisions d'adultes. Fait que mon mari a appelé à la garderie. Ils n'ont pas voulu répondre à l'appel. Fait que là, il est parti. Il s'est allé à la garderie. Papa, maman, il dit pleurez pas. Il dit on va revenir. Au Québec, on n'est pas coupable au départ. Il faut que le système prouve notre culpabilité. Dans le cas des enfants, c'est un peu le système inverse. Et on est coupable et après, on regardera si c'est vrai puis on réparera les pots cassés. Et là, on a demandé l'autorisation de pouvoir intervenir en tant que partie prenante au dossier. Mais là, vous comprenez que trouver un avocat, c'est impossible. Pour la raison très simple, c'est que la première question, vous êtes la mère, vous êtes le père? Non. Vous êtes qui? La famille d'accueil? Bien, il n'y en a pas question. Il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a pas rien. Puis pourquoi vous voulez voir ces enfants-là? On est venu à bout d'avoir une avocate. Mais avant qu'on passe devant le juge, elle a dit à Françoise, elle a dit, sépare-toi de ton conjoint. J'ai dit quoi? J'ai dit, vous êtes une avocate, vous allez dire à ma femme qu'elle sépare de moi. Elle m'a dit, c'est la seule chance qu'elle a peut-être d'elle de les récupérer. Quand j'entends des enfants me dire, viens, fais quelque chose, là, parce que les voleurs d'enfants risquent de venir me chercher, c'est parce qu'il a déjà vécu ça, c'est parce que il sent que ça n'a pas de sens, et nous, on est souvent impuissants face à l'application d'une loi comme ça dans des circonstances dramatiques. Quand on vient chercher des enfants à l'école sans avertir leurs parents, quand des étrangers se présentent et disent « un enfant, tu t'en viens avec nous », c'est pratiquement dans un régime totalitaire qu'on voit ça. OK, je vais vous dire, là, moi, là, j'ai les échographies de ces enfants-là quand ils étaient dans le ventre de leur mère. J'ai tous les documents officiels de 0 à 6 ans. Je les ai tous. Parler du carnet de santé, la carte d'assurance maladie, les carnets pour les vaccins, tout. Mais la carte d'assurance maladie aussi? Ils n'ont même pas rien demandé? Moi, je considère qu'on est leurs parents. C'est tout. On les a élevés, on les a aimés. Qu'est-ce qui peut leur parler de leur vie? Personne. Personne. Ils n'ont même pas une photo d'eux autres mêmes. Puis de nous. Ils n'ont pas d'autres photos de nous. La DPJ ne pourra pas effacer leurs 0-5 ans, ces enfants-là. Ils l'ont vécu avec nous. Ils ont vécu plein de choses. Ils sont pas nés la journée qu'ils ont quitté, là. Mais leur vécu, là, la DPJ a fait une coupure pareil, comme ça, elle n'aurait jamais existé. C'est tous les souvenirs des enfants, comme les Lego, leur table, les autos. Là, tu as la chose des divers, trois skis. En arrière, tu as des meubles qui appartiennent aux enfants. Moi, je vais garder ça.
Je vais garder, parce que pour moi, c'est très précieux, puis c'est leur chose à eux autres. T'as des choses que, quand ils sont venus au monde, moi, je les ai gardées. Ils sont dans là. Fait que si jamais un jour, je les vois, ils vont dire, mais, regarde, ça, c'était à toi quand tu étais petit. Fait que c'est à toi. Je te le donne. Moi, je l'ai gardé à cette heure. C'est à toi. Si Françoise Boivin et Jacques Larocque sont d'assez bons parents pour conserver la garde de leurs deux enfants naturels, pourquoi ne le sont-ils pas pour leurs quatre enfants d'accueil à qui ils ont donné amour et stabilité? Parmi ces enfants déplacés, deux petits frères qui, de l'avis des psychologues, avaient besoin de vivre ensemble. L'État les a séparés. Ah oui, Jacques Larocque a fraudé, mais jamais il n'a touché à l'argent versé pour les enfants. Croyez-vous que l'État aurait kidnappé les enfants de ces individus? Pour 15 000 encyclopédies. Évalué à 100 000 $. La question qu'il faut se poser au Québec, combien d'enfants vous êtes prêts à sacrifier au niveau politique? Et dites-les donc, puis nommez-les. Mais maintenant, tu peux pas bardasser un enfant dans 10, 20, 30 foyers d'accueil, puis à 18 ans, donner un billet d'autobus, puis penser que ça va devenir un être humain. Tu viens de fabriquer quelqu'un de foutu. Au départ, tranquillement. Et ça, tout le monde y a participé. Ben, à 18 heures, je me serais ramassée dans la rue. Carrément. Parce que j'avais pas beaucoup de place où aller, je savais pas où aller. J'ai eu un appartement, mais on m'avait pas montré comment faire des affaires, comment gérer le budget et tout. Fait que je me serais ramassée avec rien. J'étais en DPJ depuis je suis 12 ans. Puis 17 ans et demi, j'étais crissé dehors. Donc. Je suis rentré en centre d'accueil à l'âge de 14 ans. Je suis ressorti à 18 ans. Tu ressors de là, t'as reviens de... C'est comme quand un gars sort de prison, c'est la même affaire. Moi, c'est Pierre-Luc. Ben là, j'ai 18 ans. Puis, genre, j'ai passé tout l'hiver dans la rue à Montréal, ici. Puis là, je suis encore en rue. J'ai pas eu vraiment d'appartement depuis ce temps-là. Puis... Je m'appelle Josiane, j'ai 30 ans. Puis, j'ai été dans les centres jeunesse de 12 ans à 18 ans. Moi, quand j'ai eu 18 ans, ben ça a été la porte. Là. Tu t'en vas, puis t'as pas le choix. Là. C'est, ils peuvent pas te garder une journée de plus que ton anniversaire. Là. C'est vraiment, tu t'en vas. Il n'y a pas d'aide non plus là, qui se rattache à ça non plus. Là. J'ai de la misère à pouvoir prendre une vie et dire, OK, là, je m'installe, là, puis là, j'ai mon budget, j'ai mes affaires. Ça, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Je sais pas vraiment où m'aligner, je sais pas comment faire. Tu sais, la vie en centre d'accueil, ils nous montrent pas comment vivre, là. Quand on sort, là. Ils me disent pas, regarde, c'est le même que ça va marcher. Je suis sorti de là, moi, du jour au lendemain, je savais comme pas vraiment quoi, comment ça marchait à la vie, où c'est qu'il fallait aller pour telle affaire. Je me promène d'hôtel en hôtel, là, puis je passe un mois là. Je m'en ai, oh, j'ai plus d'argent de payer à la chambre. Fait que, oh, je trouve l'argent durant le jour, c'est 20 pièces de la nuit, je vais payer une nuit par semaine, mettons. Fait que les autres journées, je suis dans les marches de bloc, ou je marche. Je marche dans haut, je passe mes nuits chez McDonald's, assis de la boîte du café. J'ai été placée en famille d'accueil, en foyer de groupe, après en centre d'accueil. Puis après, à 15 ans, je tombe enceinte, fait qu'ils m'ont lâchée. Quand un jeune de 18 ans se retrouve à la rue, puis qu'il a été 3 ans, 4 ans en centre d'accueil, ce qui était encadré, structuré, et une telle heure pour ça, une telle heure pour ça, qui se retrouve dans la rue, pas de famille, pas rien, c'est la détresse. Moi, je trouve ça une catastrophe pour ces gens-là. Mais il faut réaliser qu'à l'âge de 18 ans, un enfant qui a souffert au niveau de sa maturité affective ou au niveau social est un enfant qui fonctionne souvent comme un enfant de 12-14 ans. J'ai plein de pères ici puis de mères qui viennent me voir, qui me disent « Garde, j'ai bien de la misère. C'est vrai que je néglige un peu mon enfant. J'ai de la misère à m'approcher de mon enfant, mais j'ai pas eu ça. J'ai été placé. » Les jeunes, ils arrivent à 18 ans, ils n'ont pas de modèle. Ils n'ont pas de modèle de famille. Ils n'ont pas de modèle parental. Ils sont tout seuls. Tout seuls, là. C'est pourquoi on voit maintenant les générations DPJ. Le père, le fils et bientôt le petit-fils. Je suis désolé, mais moi, c'est sûr, certain, la première année, je suis parti sur la galère. J'ai voulu m'amuser, j'ai voulu triper, mais ça a fucké mon système, ça a fucké mon crédit, ça a fucké plein d'affaires. Fait qu'aujourd'hui, j'ai plus rien. Faut que je travaille comme un bœuf pour avoir tout ça. Qu'est-ce que j'ai pu gâcher parce que je voulais vivre. Je m'appelle David. Je suis un enfant de la DPJ. À 18 ans, je me suis retrouvé devant rien.
On m'a refusé l'aide sociale. Découragé, j'ai pris une arme à feu et j'ai mis fin à ma vie. Personne n'a réclamé mes cendres. Dans ce cimetière, je ne suis qu'un numéro sur une plaque. La vie me tue. J'ai peine à comprendre ma peine. Je me suis tue. Il fallait crier à tue-tête. L'innocence. J'aurais aimé être appréciée sans pitié. Quand je vois mon visage, je crache de rage. En centre d'accueil, on m'accueille, mais au fond, je suis malheureuse. On dit qu'on m'aime, mais ce n'est pas la peine. Au fond, ma place sur la terre n'est pas nécessaire. Alors, mieux vaut terminer ses pensées que de désespérer en silence dans la souffrance. Sombrer dans le silence. En ce moment, c'est trop inhumain comme machine. C'est trop gros et les enfants sont noyés dedans. À un moment donné, gars, quand tu crées à l'aide, là, t'as besoin d'aide. Mais y a pas personne qui est venu m'aider. Aujourd'hui, je fais tout par moi-même. C'est la seule affaire que je peux faire. Moi, ça m'a toujours fait rire. Le Québec fou de ses enfants, moi, je dirais qu'il en rend fou. Le Québec rend fou un bon nombre de ses enfants. Effectivement, actuellement, puis ça, peut-être que vous avez pu le constater dans différentes démarches que vous avez pu faire, il y a de l'insatisfaction. Il y a beaucoup d'insatisfaction parce qu'on répond pas toujours très bien à la demande de service qui nous est faite. L'État a choisi de ne pas mettre en prison tous les abuseurs d'enfants, d'offrir plus de services à l'agresseur qu'à la victime, de prendre des enfants victimes et d'en faire des enfants problèmes en les ballottant d'un endroit à l'autre, en utilisant les médicaments ou l'isolement pour les neutraliser, en surchargeant des travailleurs sociaux déjà peu formés, en ne respectant pas les droits des enfants et en les jetant à la rue à 18 ans. Tout ça par une machine bureaucratique qui coûte des centaines de millions. De toute façon, la ministre ne veut pas savoir ce qui se passe. Je dois vous dire que lorsque j'en ai entendu parler, j'ai voulu être rassurée. Elle veut être rassurée, se faire dire que tout va bien, ce que les bureaucrates feront avec plaisir. Il me semble que j'ai tout vu. Il me semble que je pense toujours que j'ai tout vu. Puis il y a toujours quelque chose encore. Je pense toujours que j'ai tout vu. Mais c'est pas vrai qu'on a tout vu. C'est pas vrai qu'on a tout vu. Il y a toujours pire, pire, pire. Je pense que tous les systèmes sont coupables, pas juste la DPJ, et que la société a à réagir à un type de situation comme ça. Le docteur Gilles Julien n'est pas très bien vu par le système. La DPJ le considère comme un concurrent ou un adversaire. Il vit avec les enfants et leurs parents dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. L'énergie que nous transmet les enfants pendant la journée est extraordinaire et ils nous donnent l'énergie pour continuer à les défendre et à s'assurer qu'ils ont une trajectoire idéal. Ce qu'on veut ici, c'est le meilleur des mondes pour nos enfants. On travaille avec leur force, on travaille avec leur capital, on travaille avec leur talent. On essaie de faire en sorte qu'ils soient fiers puis que leurs parents soient fiers. Et ça, c'est la meilleure prévention contre la négligence, les abus et autres. Moi, je viens d'un milieu aisé où la marde était pognée, mais en même temps, j'ai eu un père très raide qui était capable de violence, qui n'était pas un agressif chronique, mais capable de perdre des pédales. Et en même temps, qui m'a donné des armes incroyables. M'a montré, quand t'as un grand trou dans toi, comment aménager ton trou. Il m'a montré des trucs comme ça. Puis tu sais, je suis devenu quelqu'un d'assez créatif pour survivre puis me rendre heureux. Moi, j'ai pas de pensée politique, mais j'espère vraiment pouvoir imprimer une pensée pour la famille comme point d'ancrage important, comme valeur traditionnelle qui m'a été transmise par ma grand-mère Simone, par mes parents. Et j'espère pouvoir le faire avec les enfants que je soigne puis les familles que je rencontre. Pour moi, les familles, c'est le pôle le plus important d'une société. Moi, j'ai comme pas de frère, j'ai pas de sœur, dans le fond. J'ai pas connu la relation frère et sœur, ni frère et frère. Tu sais, mon frère, je l'ai connu comme un petit gars d'à côté qui mangeait des volets comme moi, dans le fond. Pas comme mon frère.
Moi, je vois pas de famille là, dans ma vie à moi. Là. Moi mon arbre, c'est un grand fouet avec mon nom en haut. Là. C'est tout là. Ma fille, je veux qu'elle... Je veux pas qu'elle passe par où j'ai passé. Je veux qu'elle ait une belle enfance. Elle a volé mon enfance. On dirait que je reprends le temps perdu à travers ma fille ici. Ça me fait tellement de bien de la voir courir. Puis qu'elle ait une vie saine. Je me dis, c'est ça, c'est comme ça que des enfants devraient vivre, là. Libres et heureux. Pas de secret. Je prends soin maintenant de la petite Nathalie. Parce que je pense qu'on va toujours être des enfants. Même quand on va avoir 80 ans, je pense qu'on... Lui, il me dit qu'il va rester ici jusqu'à 80 ans. Je dis, moi, je serai plus là. Mais lui, il veut rester, il veut pas me quitter. Je reste avec vous autres. Je vais rester ici jusqu'à 90 ans. Puis t'as quel âge? 8 ans. Donc, 90 moins 8? 90 moins 8 fait 82. 82 ans ici? Ouais. Ouais, c'est parfait. Même si on est en 2005, d'une génération à l'autre, ça se transmet. Ça se transmet pareil. Fait qu'il faut arrêter la roue. Il faut l'arrêter, la roue. Il faut dénoncer. Mais c'est pas évident à tout refaire, à rebâtir ton enfance, tu t'en as pas eu, là. C'est pas évident de dire, tu sais, quand quelqu'un te demande, là, t'étais comment quand t'étais jeune? C'est pas évident de dire à quelqu'un. Mais une chose qui est sûre, c'est que le geste que vous avez posé soit de le dénoncer. C'est comme vous avez dit. Je refuse de souffrir, je suis tanné de souffrir, puis je veux plus que ça. Moi, je veux être heureux dans la vie. Dites-vous que, à partir de votre génération, là, du fait que vous autres, vous avez mis la hache dans la boîte, là, puis que pour dénoncer ça, à partir de votre génération, vous autres, là, c'est une nouvelle génération, ça va sentir bon. Ouais. Il n'y aura plus de marde, là. Fini. Ouais. Puis c'est grâce à vous autres, si vos enfants, puis vos petits-enfants, puis les petits-enfants de vos enfants, ils vont être bien. Vous avez fait de quoi? C'est un travail héroïque que vous avez fait là. Puis félicitations. Je suis content de vous rencontrer. Moi aussi. Il est par ailleurs des catégories de personnes qui souffrent plus que leur part normale d'épreuves et qui ont souffert encore davantage à cause des délais prolongés que l'État a mis à soulager leurs problèmes. Avoir un enfant, c'est un choix. Alors, si on est prêt à avoir un enfant, c'est parce qu'on est prêt à lui offrir tout l'amour qu'on peut offrir, et non des coups. Parce qu'une une vie d'enfant, on en a seulement qu'une, puis ça dure pas longtemps. Peu importe que si nos parents vont nous faire, qu'ils nous crissent en bas du pont, qu'ils nous en tapent, qu'ils nous crissent au travers des murs, qu'ils fassent n'importe quoi. Quand t'es un enfant, t'es innocent, t'as jamais rien appris de la vie, c'est sûr, certain, tu vas aimer tes parents, peu importe qu'est-ce qui arrive, OK? Peu importe la misère, le malheur, qui t'agresse, qui fasse qu'est-ce que tu veux, t'es un enfant, là. La seule affaire à quoi tu peux t'attacher dans la vie, c'est tes parents, c'est eux autres qui t'ont monde.